Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une offre qui me semble être une offre très sympa et qui va vous permettre, vous qui ne savez pas encore scraper, qui êtes débutante, qui n'avez pas beaucoup de matériel et qui ne souhaitez pas investir de sommes énormes dans le scrapbooking, et vous qui aimez le scrap mais qui ne connaissez pas encore les produits Stampin' Up. Je vais vous proposer une opportunité d'acquérir des échantillons, ou en tout cas des vrais produits, mais que je vais réunir par lot afin que vous puissiez découvrir les produits Stampin' Up et à la suite pouvoir en commander par lot normaux, on va dire. Donc l'offre que je vous propose aujourd'hui, c'est sur ces papiers de la série Design. Partagez ce que vous aimez. Alors, ça porte bien son nom pour le coup. Donc cette collection, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu plus près. Je sais pas si ça va être très clair. Elle se compose d'une série de tampons. Donc un set de 13 tampons qui, somme toute, sont assez basiques puisqu'on a des fleurs, on a des petits messages qui vont être utilisés dans plein de circonstances. J'ai de la chance d'avoir une amie comme toi, quelle belle journée, aime ce que tu fais, je te remercie. Voilà, ça c'est des petits messages qui sont faciles à mettre sur une carte, sur un petit emballage cadeau, sur une enveloppe, enfin voilà, plein de petits projets. Vous avez ensuite assorti à ce set de tampons des embellissements et des papiers surtout, des papiers imprimés qui sont très 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 jolis. Voilà, il y a des lots et ces lots sont parfois un peu conséquents quand on débute ou même quand on fait du scrap couramment. On n'a pas forcément envie d'avoir, pardon, un lot de 24 feuilles. Voilà, parce que bon, on se dit que bah, 6, 12, c'est déjà pas mal. Donc 24, ça fait vraiment un gros lot et il va falloir vraiment après scraper énormément pour les épurer. Du coup, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de créer un lot pour 4 clientes. Alors pourquoi 4? Parce que il est facile à diviser en 4 ce lot et en même temps vous aurez suffisamment largement de matière hein, pour faire quelques projets, pour tester les produits et pour voilà, pour voir, pour vous rendre compte de la qualité et de savoir si vous allez aimer ou pas. Du coup, ce lot de papier design, il est fourni en 24 feuilles. Donc ça, c'est facile à diviser pour 4 clientes. Ça vous fera 6 feuilles de chaque. 6 feuilles chacune, pardon. Le lot sera aléatoire, hein, mais vous aurez 6 feuilles. C'est du papier recto verso. Donc il y aura vraiment de quoi faire. Ce lot de 24 feuilles, ce sont des grandes feuilles de 30 par 30. Donc là aussi, hein, c'est la quantité, hein, pour faire des grands projets, mais pour des cartes, vous allez dans une feuille pouvoir faire plusieurs cartes, donc ça c'est très très bien. Donc 6 feuilles chacune, ça va vous représenter un prix, donc si je le divise par 4, 8,16 € les 6 feuilles, au lieu de 24 feuilles à 32,75 €. Voilà, donc déjà 6 feuilles, 8,16 €. Vous avez le lot de papier cartonné assorti dans les coloris donc coordonnées. Ce lot-là, il est vendu par 24 feuilles également. Donc divisé par 4. Chaque cliente aura 6 feuilles de ces papiers-là. Donc là, il y en a 4. Donc au moins 4, une feuille de chaque couleur, plus deux autres. Et ce lot de 6 feuilles va coûter 2,58 € au lieu de 10,25 € les 24. Je vais également dans ce lot vous commander des napperons nacrés en papier qui vont également vous servir à créer des embellissements sur vos cartes, sur vos emballages, etc. etc. que vous pourrez également agrémenter sur d'autres projets, pas forcément qu'avec ces papiers-là, évidemment. Ces petits napperons nacrés, ils sont vendus par lot de 24 que je vais diviser par 4. Donc vous aurez chacune 6 napperons et les napperons vont vous coûter 1,37 € les 6. Je vais vous fournir également le ruban. C'est un très très joli ruban en velours, couleur fruit des bois. Ce ruban, il mesure 9,10 m. Si je divise le ruban par 4,
Chaque cliente aura 2,27 m de ce joli ruban qui va lui coûter 2,43 €. Je vais également joindre les perles adhésives qui vont, elles, ajouter une petite touche vraiment très discrète à vos décors. C'est vraiment un lot intéressant parce qu'à l'origine, il y a 100 pièces. Donc, divisé par 4 clientes, chacune va recevoir 25 perles que je vais bien sûr répartir équitablement en fonction des couleurs. Et ce lot de 25 perles va vous coûter 1,80 €. Alors, si je récapitule, vous avez dans le consommable 6 feuilles chacune du papier série design. Vous avez 6 feuilles chacune de cardstock A4, 6 napperons, 2,27 m de ruban, 25 perles. Ce lot coûte 16,34 €. Si j'ajoute évidemment le set de tampons, parce que c'est quand même le but, ce lot vous coûtera 42,82 €. J'ai ajouté 1,48 € de port, puisque le port, enfin pas généralement, mais d'emblée, coûte 5,95 €. Donc en le divisant par 4, 1,48 €. Évidemment, celles qui débutent n'auront pas d'encre. Alors, pour ce qui est des tampons encreurs, je pense que pour débuter et commencer à faire quelques tamponnages, un assortiment de 3 tampons encreurs, dans des couleurs assorties évidemment à vos cardstock et à vos papiers imprimés, peuvent suffire. Donc 3 encreurs à raison de 9 € l'encreur, 27 € à rajouter, vous avez au total un lot qui va vous coûter 69,82 €. C'est une super offre parce que l'offre est complète. Vous avez des tampons que vous allez pouvoir réutiliser pour d'autres projets, des papiers dans une grande quantité quand même, des perles que vous allez également pouvoir assortir à d'autres projets, les petits napperons, le ruban, voilà. Ça va vous permettre d'essayer, de voir si ça vous plaît, de juger de la qualité et vraiment de pouvoir faire des projets aboutis. C'est ça c'est ce qui est intéressant. Là, vous voyez qu'ici, enfin, vous voyez peut-être pas trop parce que c'est un peu loin. On a, ouais, là aussi c'est un peu loin, on a un super joli plioir de gaufrage. Alors là c'est flou, je pense que je vais pas arriver à faire le point. Qui va vous permettre lui de faire un très joli fond sur une carte. Par exemple sur cette carte, sur la photo du catalogue. Alors je m'ajuste, voilà. Alors ce serait bien s'il faisait le point, hein, ça serait quand même bien plus pratique. Ah voilà, voilà. Là, je pense que là vous allez voir sous le panneau décoratif, le papier a été embossé avec ce plioir de gaufrage. C'est une fleur, c'est un ensemble de fleurs. Ce plioir de gaufrage il coûte 11 €. À vous de voir si ça vous plaît et si vous voulez le rajouter au lot que je vous propose. Si on rajoute le plioir de gaufrage, le lot final va vous coûter 80,82 € avec les frais de port. Vraiment un lot très complet, vous allez vraiment pouvoir vous amuser, vous aurez de quoi, vous aurez la matière et vous avez vraiment un lot intemporel parce que les fleurs ça ne se démode pas et vous allez pouvoir l'utiliser sur pas mal de projets. Alors, pour commander ce lot, ce que je vous propose, c'est une date butoir pour me dire si ça vous intéresse ou pas. La date butoir, ça va être le 21 août à midi. Vous avez donc 15 jours pour réfléchir à cette offre et pour me dire si ça vous intéresse, si vous voulez que je commande. Bien sûr, pour que je puisse commander ces lots, je vais vous demander des règlements à l'avance parce que je ne vais pas commander et que la marchandise après me reste sur les bras. C'est pas le but. Le but, c'est aussi de vous faire plaisir. Donc, je vous demanderai, bien sûr, de m'envoyer vos règlements avant la date du 21 août à midi.
Vous m'envoyez un petit message sur ma boîte Gmail, scrapmademoisellec@gmail.com, pour me dire que vous souhaitez commander ce lot. Je vous enverrai par retour mon adresse postale pour m'envoyer votre règlement et je validerai la commande le 21 août. Voilà. C'est, à mon avis, une super opportunité pour commencer ou pour tester les produits. Je me répète, mais vraiment, voilà, si vous aviez envie d'acheter ce lot, mais sans partage de produits, ça vous coûterait beaucoup plus cher. Voilà, donc l'opportunité, c'est de le partager et d'en faire profiter tout le monde. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi m'écrire un petit message à la fin de cette vidéo. Voilà, je saurai un petit peu si c'est une offre intéressante pour mes clientes. N'hésitez pas, voilà, à me contacter. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Cette vidéo remplace le tutoriel habituel. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette offre va vous plaire et que vous serez nombreuses à m'écrire un petit commentaire ou m'écrire un petit message sur ma boîte Gmail. À très bientôt !